Bon, je prends la piste. Putain, il tourne plus, j'ai l'impression, non? Ou c'est moi qui... J'ai l'impression d'aller plus vite, mais je suis pas sûr. Lewis Hamilton. Je vais aller chercher Lewis. C'est trop le malin. Avec moi, alors que je suis Toro Rosso. Toro Rouge. Toro Rouge, il a peur de rien. Alpha Tori. C'est un mal alpha. Merde! Si les pneus ont changé, j'ai l'impression d'être plus maniable, mais du coup je tourne plus à la manette, c'est dur quand même, hein. Du coup c'est peut-être pas mal de faire des essais aussi en avec des pneus rouges quoi, avec les sticks tendre. Enfin bref, c'est compliqué ce que je veux dire. Merde, le DRS, c'est deux trucs. Oh, la manette, gros, c'était... Enfin, ça tourne tellement, entre guillemets. J'ai tourné un tout petit peu, mais ça a tourné à fond. J'ai l'impression, en tout cas. Oh, le soleil! Oh, je suis carrément arrêté, là. Dans la bûche, je suis. Oh là là, c'est bise de ma mère. Y'a qu'un tour! Bon travail! Il n'y a qu'un tour, gros. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les trois premiers. Je me fais baiser par Lewis. Par contre, j'ai fait 1.28. Et Valtteri Bottas. Les qualifications sont terminées. La grille de départ est maintenant établie pour la course avec de demain. Alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Non, c'est pas grave. Deuxième, c'est pas mal. Quelle performance extraordinaire. Vous devez être très content de ce résultat. Vous avez réalisé une belle séance de qualification. Vous allez profiter de cet élan au bout de la course. Je suis le boss. Vous avez heurté les murs plusieurs fois aujourd'hui. L'adhérence vous a fait défaut, vous n'aviez pas bien négocié certains virages. Je me souviens pas. Oh merde. Merci pour votre temps. Oh, j'ai terni la réputation de Toro Rosso. J'aimerais bien changer le son du jeu, mais je sais même pas où c'est, ça dégoûte. Attendez, je vais baisser un peu. Je vais baisser directement dans Streamlabs. Monte la difficulté. Bah, je suis même pas premier. Vous me dites d'augmenter la difficulté. Ah, tout le monde me suce maintenant, hein. Vous avez fait du beau travail lors des qualifications. Ok, merci. Réglage. Alors on peut pas régler le son du jeu. Genre, c'est quoi les réglages de base? Comment ça, la manette? Bah, je suis obligé, gros. Bah, j'ai pas encore le truc. Préférence, peut-être? Ah, c'est à paramètre audio. Son du moteur, ferme ta gueule. Paramètre audio, alors attends. Ah non, y'a pas de... Un volume, alors juste effet. Ça rien de faire ça, autant faire ça, hein, juste. C'est I am con, hein, but la musique, on va la laisser. C'est juste les effets. Je mettais comme ça. Alors, paramètres de jeu, comment on peut changer la difficulté du coup? Là, j'ai mis à 40, vous me dites de mettre à 60, mais 60 ça va être compliqué, hein. Je rappelle que je joue depuis 1h30, hein. Je sais pas comment on fait pour... Tu peux plus, c'est pour la vue de la course d'après, ok. Après je peux enlever des aides, hein. Je sais pas comment on enlève les aides. Simuler la séance, bah non, j'ai peut-être pas... Je suis deuxième en Toro Rosso, bah si je suis meilleur pilote du monde aussi. Qu'est-ce que je te dis? Qu'au début de chaque week-end de course, ok. Bah j'étais à 20, j'ai mis à 40, je sais pas.
Je pense qu'augmenter la difficulté, saison, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut plus enlever les aides plutôt qu'augmenter la difficulté. Parce que là, j'ai presque toutes les aides encore. Enfin, j'ai après une les aides, séance en fait. De qualification extraordinaire, le. Mais du coup, les aides, c'est pareil, je peux les retirer qu'à chaque week-end, quoi. Tu t'es mieux qualifié que prévu, donc fais de ton mieux pour conserver cette position oui, en course. Tais-toi, je suis juste le meilleur joueur. Premier virage, c'est un virage intérieur. Oh, je sais pas, là, on m'a dit de rester appuyé, j'appuie, hein, mais. Je me fais doubler, ouais. Rembourser. Oui, bon, bah, non, mais attends, il me rentre dedans, le monsieur, là. Ok, Charles Leclerc. Avertissement ? C'est lui qui me rentre dedans, je prends la ligne. Mais t'es... Oula, oula, oula. Pas dans la bonne trage, là. Avertissement de quoi, les bouffes ? Oula, oula. C'est plus dur quand il y a un mec devant. Hein. Ah ouais, ouais, non, mais... Il freine trop tôt, le bouffon, là, de Leclerc. Ah bah ouais, mais je compte des mecs qui freinent trop vite. Ah ouais, merde, non, c'est ce que je fais. Non, c'est interdit par la loi. On recommence, C'est trop dur, les courses, par rapport au... Quand il y a personne sur le circuit, c'est plus facile, quand même. Hein. C'est... Hop, on reprend ici. Pourquoi j'ai pas le DRS, là? Parce que je suis dans une zone DRS. Ah non, c'est peut-être pas sur les premiers tours. J'ai freiné avant, du coup, parce que sinon, je vais rentrer dedans. Je rentre quand même dedans, hein. Ou je le double lui parce que Leclerc là avec sa Ferrari mais ça j'ai pas le droit en fait parce que là je lui coupe la route. J'ai mis un coup de frein gros. Ok vas-y doucement avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. Ouais mais bon. En fait faut que je le double dans les lignes droites quoi. Je suis pas sur la trage là. Oula, 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 oh le grave! Oh putain! Ah, doucement avec la monoplace, je vais dans le gravier, tu sais. Oh, ça va, les gars, j'ai le soleil dans la tête. Bon! Une 34, il a fait, c'est nul. Il faut à présent se c'est normal, c'était le départ. Le reste de la course. Bon, déjà, il n'y a plus personne devant moi. Oh, c'est good. Je l'ai rattrapé là, non? Oh, le vibreur! Oh merde, je mange tous les virages là. Il est prêt à piloter Leclerc là? Parce que tout à l'heure, je le bouffais là, et là il a plus de puissance. Après, il a une meilleure voiture, mais. Mais gros, il freine trop! J'ai pas envie de péter mon aileron, mais il freine trop tôt, gros. Pourquoi il freine aussitôt? Je comprends pas, il a peur de quoi, gros? C'est un pilote, quoi. Je vais prendre l'intérieur, en vrai. Hein, qui freine. Mais là, est-ce qu'il paye, il est pas lancé, il est-ce qu'il a, il est censé me laisser passer ou pas? Dans la vraie vie. Genre... Non? Ok. Alors je ne dis rien. Je me fie à votre expertise. Du coup c'est dur de doubler le bouffon. Hein. En plus c'est Charles Leclerc, j'aime bien, ça m'énerve de le traiter de bouffon, mais c'est son IA qui est. C'est l'IA qui est trop nul en fait. Après faut que j'enlève les aides parce que là je suis trop fort pour. Alors que je suis trop nul en vrai tu vois. Moi j'ai fui rater le virage, je suis un bon bouffe. Oh là là, je vais dans l'herbe et tout. Oh là là là. Oh, le karma. Je freine tellement trop, je fais n'importe. Bon. Il reste combien de tours? 15. Ah oui. Ah oui, c'est une vraie course. Putain, il faut pas rigoler en mode carrière. DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Ok, bah là, il y a DRS, hein, je crois. Je sais pas si je serai pas une seconde. Je serai plus d'une seconde, là, je pense. Son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Ça c'est mon virage, ça c'est le virage où je rattrape.
putain, la manette, c'est tellement dur quand même de faire des petits... En fait, de tourner sans faire un énorme à-coup de sa mère, c'est complexe. Je suis bloqué derrière Leclerc, en vrai. Enfin, là, je vais plus vite que lui, mais je peux pas le doubler, quoi. Genre, ouais, maintenant, je peux pas. Si je vais rentrer dedans... Oh putain de merde. J'ai failli partir. Et il a repris tellement d'avance du coup avec le coup de frein que j'ai mis et... Oh merde. Du coup ça veut dire que je vais devoir m'arrêter en 15 tours ou pas au stand ou jamais. Oui, ok. Ah, pourquoi je peux pas utiliser le DRS? Y'a pas une zone de DRS ici? Pas le doubler là en fait. Enfin si je peux le doubler comme ça mais... Je voulais pas toucher. Oh putain, roue contre roue. Avertissement collision. Pardon. Ah mais il me saoulait Leclerc là. On rattrape Bottas maintenant. Parti. C'est chiant, il se passe rien, c'est trop facile. Bah gros, si c'était facile, je serais premier depuis 3 tours. Hein. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Il m'a touché là, l'autre bouffe. Non ? Il y a un pigeon qui vient de me chier dessus ou j'ai rêvé là ? C'est de l'herbe, ok. Où je mange l'herbe là justement, en parlant d'herbe. Oh merde. Bon ça c'est interdit ça. Oh, bah oui. Oui oui là. Là c'est plus qu'un virage coupé là, c'est. J'ai gagné une seconde là-dessus. Merde, il faut que je rentre au stand camp du coup. La guillotine. Putain, Leclerc est juste derrière. Hein. Il me lâche pas, hein. L'autre il me botasse, il me mouche là. Oh merde, je suis encore dans la rue là. Mon petit Valtteri. Je sais pas si c'est mes pneus qui s'usent ou autre, j'ai l'impression que c'est moins maniable qu'avant. Je l'ai rattrapé là, je me fais distancer, j'arrive pas trop à voir.
C'est dur de regarder partout aussi, là je suis concentré sur la route déjà. Écart avec la voiture qui te précède est de 2,0 secondes. Oh merde. Rentre, rentre. Ah bah là rentre, rentre, c'est là Prince of Persia là. Là ça va être les sables du temps là. Parce que là, je vais pas te mentir que c'est la fin de la course quoi. Je suis à 2 secondes de Bottas. Après il creuse l'écart de... Oh putain, je suis mort. Je vais me faire redoubler là. Ah ouais, c'est sûr. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Laisse-moi passer là, Leclerc. Oh, rencontre roue. Ah, je me suis défendu. Je me défends. Merde, il faut que je passe au stand au prochain coup, non? Ta fenêtre de ravitaillement est ouverte. Ah, je vais me battre pour le podium, hein, c'est déjà bien. Hein. Parce que là, Bottas, il est parti. Hein, il est à l'autre bout de la map. Hein, quoi. C'est long, hein, 15 tours. Hein. Après, en vrai, ça va, Melbourne, je trouve que c'est pas mal. Le circuit, il est assez simple, entre guillemets, pour un débutant, c'est pas mal. Et il est assez rapide aussi. Enfin, il est pas trop long, quoi. Ça dure pas 2 minutes. Ah, mais ils sont deux, en plus, derrière moi. J'avais pas vu, c'est les deux Ferrari. Surveille la distance qu'il te reste à parcourir jusqu'à la ligne des stands et ne roule pas trop vite. Merde, 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 merde. Du coup, il faut que j'aille là. Merde, je trace, je vais trop vite là. Je fais quoi là? Comment je dois... Je m'arrête jamais? Ah si. Je me fais baiser par tout le monde. Oh, tout le monde s'arrête. Sors, mets les gaz, on reprend la course à la sortie. Ouais, vas-y, bah. Mets les gaz. Oh, je sors derrière Leclerc. Oh, ça dégoûte. De notre stratégie pour les stands, tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Ouais, bah ça y'a pas de soucis, mais par contre, Leclerc il est devant quand même. Oh, oh, ça tourne tellement bien! Ah oui, c'est bien fait le jeu en fait. Attends, mais je suis 15ème! Je me suis fait baiser ma mère en fait. Enfin, genre, fais-moi carrément un couteau dans l'anus, ça fera moins mal. Hein. Ils sont pas arrêtés les mecs devant, c'est pas possible. Là, je vais devoir redoubler Leclerc. Non, non, mais il freine trop, putain, il casse les couilles. Tu as abîmé l'aileron avant. Ah bah ouais, mais... Ça semble léger, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. Si j'étais en vrai... Oh non, bah là j'ai rien fait, Il est venu me toucher! Oh, yeah, ça dégoûte, autant que je suis. Heureusement, je suis le prince de Perse, hein, mais. Il est venu me toucher, le chien, alors que j'étais en train de le doubler. Il aurait dû me laisser, là. Mais là, il est pas censé me laisser passer là, vraiment? J'y connais rien en Formule 1, je sais pas ce que c'est les règles de dépassement et tout. Oh, j'ai freiné beaucoup trop. Oh, mais j'ai coupé un peu, oui, c'est vrai. Bon, attendez, ça m'énerve là. Tu te décales et tu rentres. T'avais la DRS. Ah ouais, putain, j'oublie tout. Attends, c'est chaud, hein.
J'oublie certains trucs, j'avoue, mais... Là, par exemple, tu vois, je suis obligé de traîner, parce que sinon, enfin, je tombe sur lui, quoi. Enfin, on va essayer de le doubler proprement plus tard. La ville rentre au stand. Des bouffes. Putain, je suis 7ème, on a quand même bien perdu. On a perdu, j'étais 3ème, hein, on a perdu 4 places dans cet arrêt au stand. Oh, je fais n'importe. Ils tournent pas mes pneus en fait. Enfin, mes roues elles tournent plus par rapport à tout à l'heure, il faut que je me réhabitue. Ok, je fais n'importe quoi. La voiture de derrière s'est arrêtée pour chausser des médiums. Elle roule en médium. Ouais, attendez, parce que là je suis pas. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 2,2 secondes. Non, j'ai pris 2 secondes sur Leclerc là, j'ai fait le pire tour de ma life. On va juste essayer de remonter déjà. Et on verra après. J'ai tellement l'impression que je tourne moins bien qu'avant. Est-ce qu'il y en a encore qui sont pas rentrés au stand là ou c'est vraiment la douille? Oh merde, j'ai encore pris l'herbe. Compliqué là. J'avoue que j'ai qu'une hâte, c'est de jouer avec un volant, hein, parce que là la manette c'est dur de. En fait c'est dur de faire. C'est souvent tout rien avec la manette. C'est soit tu tombes full à gauche, soit tu tombes pas à gauche. T'es obligé de faire des à-coups quoi. Soit t'accélères, soit tu freines, mais y a pas de j'accélère un peu quoi. C'est un peu complexe quoi. Après ça veut pas dire que ce sera plus facile avec le volant. Dans le sens où bah, j'ai jamais joué avec un volant à part quand j'étais petit. Putain mais j'arrive pas à le rattraper, je fais n'importe quoi. Je sais pas si je suis. Ouais j'ai peut-être un. Non, je pense pas que j'ai rattrapé du tout. Hein. Il reste encore 5 tours après. Je l'ai senti, je suis allé dans l'herbe, je l'ai senti, c'était terminé. J'ai endommagé l'aileron. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment de ma faute. Ah si, c'est un peu c'est de ma faute, mais... Je veux dire... Je pensais pas que le dépassement allait si mal se passer, quoi. Enfin, j'ai pas la trajectoire ici, et du coup, c'est la merde. C'est pas que j'ai pas la trajectoire parce qu'elle est affichée, hein, mais vous avez compris ce que vous voulez. Quelques infos au sujet de Sainz, ils sont forfaits. Bon, c'est de la merde ce que je viens de faire. Non, je viens de perdre tellement de temps. Ils vont peut-être se bloquer entre eux. Je suis en galère. Je suis en full galère là. Je suis tellement loin devant, derrière, pardon. Je marche sur mon câble en plus, ça n'aide pas. Voici l'écart avec notre coéquipier, 21,5 secondes. C'est sur ce virage-là que je peux un peu les rattraper, je pense, mais... C'est tellement frustrant de les voir devant et t'as l'impression de faire au mieux, mais t'arrives pas à les rattraper du tout, quoi. Non. Pff, il faut être concentré, gros. C'est dur, hein. C'est dur quand t'as pas l'habitude. Bon, j'utilise pas mal les sables du temps, hein. Vous me pardonnerez, mais... C'est des erreurs bêtes, quoi. Et puis j'active jamais le DRS, aussi. Merde, par contre, j'ai utilisé le truc au... Enfin, j'ai remis le truc au pire moment. Hein. Après, je peux pas l'utiliser, là, parce que je suis trop loin derrière, je pense. Drapeau jaune.
Oh, drapeau jaune, ça me met bien. Ça me permet de rattraper là. Quelqu'un vient de sortir de la piste devant toi. Le non. Drapeau jaune est un peu plus loin. Retour à la normale. Bon, je les ai rattrapés là, c'est sûr. Plus près de... Oh merde, DRS. J'y pense plus. Oh là là là. Oh là là. Bon, déjà à 2 c'est chaud, alors à 3. En intérieur. Ah, non, c'était trop. J'ai tenté mais c'était trop. Genre je suis arrivé à 50 km/h plus vite que bon. C'était un petit peu trop prétentieux. Un petit peu optimiste, ouais. Attends, je vais juste. Voilà, je vais me remettre là parce que j'ai pas envie d'un truc de. Attends, j'aime pas être sur les mecs, donc j'essaie de faire un truc propre quand même. J'aime pas faire un truc où je tape les mecs et tout, c'est chiant. Même si ça me fait perdre du temps, au moins on est plus propre. Parce que là j'aurais pu le doubler en le tapant, mais bon, ça marche pas dans une vraie. Par contre Leclerc a battu doublé Vettel là. Il reste 3 tours, on peut les doubler les deux. Hein. On peut les doubler les deux peut-être. Hein. Après, ils accélèrent pas là dans ce virage. Le problème c'est que là comment je double, impossible. Ouais c'est trop, ouais, j'ai touché. Et c'est trop dur hein. La vraie Formule 1 ça doit être trop dur. Pour entre guillemets ne pas toucher quand le mec est un tout petit peu, quand t'es plus rapide qu'au kart. En karting ça va parce que quand tu touches il se passe rien, enfin t'as pas d'aileron tu vois. Il se passe rien mais. C'est pas grave de toucher quoi. Mais en Formule 1 si tu touches c'est terminé pour lui et c'est terminé pour toi aussi quoi. Je vais garder un peu de distance avec eux pour l'instant. Je vais les repasser devant. Ils vont plus vite hein, là. Oh merde, non, j'ai coupé là. Ah non, il m'a rien dit. Pourtant, il me semblait que j'avais quand même pas mal coupé là, mais. Oh, je fais n'importe quoi. Tout à l'heure j'étais collé à eux et là je suis loin derrière. Enfin loin, c'est pas loin derrière, mais je suis un peu derrière. On le grave là. Nous avons près de 4 tours de carburant. Oh, j'ai perdu beaucoup de temps sur ce gravelard là. On va essayer de remonter, mais ça va être compliqué. J'ai fait 2 grosses erreurs là, dans la fin du tour. On peut les rattraper sur ce virage là, c'est le virage où je les rattrape normalement. Là c'est l'IA, là c'est l'IA qui freine trop tôt. Du coup je vais peut-être essayer de passer à l'intérieur en vrai. Faut dive bomb virage 7, mais gros, déjà je sais pas ce que c'est de dive bomb, je sais même pas où est le virage 7 donc. Croyez pas que c'est marqué découverte hein, dans le titre du stream, c'est pas marqué pilote professionnel. C'était risqué mais ça passe. Par contre il va peut-être m'en doubler là. Un freinage, j'ai freiné à la toute fin. J'étais à l'intérieur. L'herbe, oh, je prends de l'herbe. Oh, le gravelard encore. Je joue avec les limites là.
Est-ce que je vais pouvoir passer troisième? Est-ce que je peux jouer le popo? Il manque deux tours encore. Oh merde. J'ai un petit peu... Il nous reste à peu près trois tours de carburant. Ouais mais ferme-la, trois tours de carburant, il reste deux tours. Arrête d'enfoncer des portes qui servent à rien. Ça m'énerve parce que là en fait, ça c'est à cause de l'IA, il freine avant en fait. Il faut juste que... Oh oui putain, il revient loin. Vu qu'il freine avant, je le rattrape mais parce qu'il freine un peu trop en avance quoi. Du coup c'est pas très cool. Juste après. Ouais, pareil. Pareil, il freine trop. Il freine trop tôt, quoi. Après, ça, c'est l'IA, vous m'avez dit. J'essaierai de la monter un peu. Merde, j'ai pris le mur, du coup. J'essaierai de la monter un peu après. Là, je le double. Là, je le prends à l'intérieur. Là. Oh, c'est risqué. Je prends le grave là. Allez, c'est mort. Oh non, bah non. Non. Vas-y, je joue. Je joue. C'est fair play. J'ai ruiné. Je mérite de. Voilà, par contre, ça, je suis. Je me laisse doubler, mais. Je me laisse doubler. Ça, c'est fair play. J'ai mal joué. Je mérite. Mais par contre. Par contre, c'est bon, hop. Oh, attends, je vais pas me faire doubler par tout le monde. Virage coupé. Mais quoi? Non mais il me pousse, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, il m'a poussé, monsieur. Ça va aussi. Frère, je me fais pousser ma mère par le mec derrière, je sais pas qui c'est. Albon, là. Reste à ta place. Frère. Oui, il va me doubler. C'est pour l'intérieur. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. L'écart avec notre coéquipier est de 27,2 secondes. Putain, j'ai fait une erreur, je suis tombé dans le gravier, je suis à l'autre bout de la map maintenant. Les deux autres sont tellement devant maintenant. Je joue le tout pour le tout, mais là... Oh, voilà. Je suis dans la pu. Je suis devenu une tondeuse pour quelques mètres. Il nous reste deux tours de carburant. Mais arrête de dire ça alors qu'il reste plus qu'un tour de course, bouffon, là. Est-ce que je peux en doubler un avant la fin? Ça va être complexe, quand même. Ils sont loin devant, là. Oh non. Ah, j'ai voulu jouer, j'ai agressé au max, mais... Là, j'ai fait je sais pas combien de flashbacks. En même temps, bon, c'est ma première vraie course. Hein, mais... Là, j'ai voulu aggro au max, mais... Là, j'ai pris l'herbe et après, c'est terminé. Hein. Bah, vas-y, bah, coupe plus. Bah, vas-y, coupe tous les virages. Ok, c'est Jeff. Il faut absolument que tu arrêtes de couper les virages. Si tu continues, les commissaires vont nous infliger une pénalité. Ah bah là, oui, ils peuvent, hein. Bah... Un petit en plus. Ah non, vas-y. J'ai coupé les trois derniers virages. C'est interdit. Vas-y, je reprends là. Ouais, mais là, je prends l'herbe du coup. Aïe, attends, c'est pas bon. Oh merde, mais. Ok, bon, on va juste pas prendre l'herbe. Tant pis pour. Déjà, cinquième, c'est déjà bien. Que l'on rattrapera jamais. Hein. Ouais, c'est mort. Là, j'ai voulu faire un truc.
J'ai voulu faire un truc tout à l'heure dans le... Dans le tournant, le virage au gravier, là. J'aurais jamais dû faire ça, quoi. Ah merde! C'est pas l'arrivée! C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. J'ai cru que c'était l'arrivée, le truc d'avant. Putain, en mode, c'est fini. Prenne à fond, bah je ferai. Mercedes hein, a remporté une très belle victoire aujourd'hui. Bon, cinquième. Dommage. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher? Putain, j'avais réussi à faire quelques petits trucs corrects, mais c'est dur quand même. Après cette course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Ah, tu peux passer en mélange riche pour aller plus vite. Ok, d'accord. Baisse le nombre de tours. Non, en vrai, c'est bien, 15 tours, ça permet... C'est long, mais bon... Voyons c'est... comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Après voilà, une performance moi, incroyable, Lewis a mis... Lewis Hamilton. Belle performance aujourd'hui. Bah ouais, merci. Je peux vous poser quelques questions? C'est long, bah ouais, mais bon. Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. La course ne s'est pas déroulée sans problème, n'est-ce pas? Merde, putain. Merci pour votre... Je voulais pas faire le mec, mais en même temps... Oh, putain, dommage. 25 tours? Non, c'est 15 tours. Point dépassement, c'est la règle des 3P. Patience, patience et patience. Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai que j'ai l'habitude en karting d'être toujours le mec le plus rapide sur la piste, donc ça me prend souvent un ou deux virages à doubler tout le monde, quoi. Non, pas du tout. Bon, j'éternis encore la réputation de mon écurie, mais bon. Très bon résultat, tu t'es bien débrouillé. Je vois mal ce qu'on pourrait te reprocher. Bah, j'ai fait 5ème alors que j'aurais pu faire 3, quoi, hein, c'est ça le truc. J'aurais pu faire podium pour Toro Rosso, quoi. Qui n'a pas été vu depuis... Bah, depuis Pierre Gasly, mais bon. On dirait que l'un de tes rivaux aussi va se rendre à une prochaine épreuve historique. Si tu choisis de l'affronter, ça pourrait être bon pour ton image. Quoi cette merde? Épreuve des points de contrôle, c'est que ça. Quoi 25%? Vous parlez de quoi 25%? Ah, le nombre de tours, en fait, c'est 25% de la vraie course. Ah. Bonjour. Okay. C'est quoi ça? Parce que je veux bien détruire mon coéquipier, mais je suis arrivé 5ème, il est arrivé 1000ème. Je pense que ça suffit, non? Il faut faire quoi? Je sais même pas quel circuit c'est, les gars. Wow, 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 wow. Il me jette comme ça. Waouh! Ah, c'est quoi cette voiture? Faut prendre tous les virages à fond, c'est quoi cette merde? J'ai freiné en tournant, je coupe les virages, avertissement, mais j'ai jamais demandé à faire ça, moi, monsieur. Hein. Élimination proche en raison de multiples infractions. Ah, dommage. Mais elle est bizarre, la voiture, elle tourne pas du tout comme les autres. Il faut vraiment que j'ai un volant, parce qu'à la manette, gros, en fonction de la voiture, ça tourne tellement pas pareil. Plus 13 secondes, bah, je suis bien, hein. 13 secondes de retard. Allez, je coupe tous les virages, comme ça ils vont me disqualifier. Enfin, je te fais le bras. J'ai l'impression qu'elle freine beaucoup plus vite, qu'elle a une bien meilleure accélération. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Il est long de fou ce circuit, non? C'est fou. Mais comment ça, sortie de route? J'étais sur le vibreur, ça va aussi. Par contre, je fais combien de tours là dans ce truc? Parce que je veux bien être gentil, mais. Distance de référence, distance parcourue. Ah, c'est G, il me reste 28 secondes de course! Ah merde, je trace.
J'avais pas compris. Je viens de comprendre le défi. Que je peux le battre. C'est tellement bizarre à conduire vraiment hein, par rapport à ce que je viens de faire là. C'est bon, j'ai gagné. Mais attends, c'était à 20 secondes déjà tout à l'heure. Là je suis encore à 20 secondes, c'est quoi cette merde? Quand tu gagnes des secondes à chaque point. Oui mais c'est chiant hein. Enfin, je vais pas faire ça. Parce que là en fait. Vu que je suis le meilleur pilote du jeu, ça va durer jusqu'à l'infini en fait. Non c'est bon. Ça va s'arrêter là. Hein. Bon je refais, je finis le tour et après j'arrête. Ça m'énerve. Hein. Là, il est, j'ai pas coupé le virage, j'ai bien. Allez, c'est bon, c'est fini. Et non. Parfait, c'est terminé là. C'est bon, j'ai battu mon coéquipier, le nulos. Voilà. Mais ça sert à quoi de faire ça? Ça me donne des points de charisme? Réputation. Ah bah voilà. J'ai full répute. Oh Bahreïn. Je connais pas. En vrai je connais aucun circuit de Formule 1. Enfin je connais les noms et tout, mais je connais absolument pas les parcours. Quoi. C'était un défi via F1. Ouais, j'ai bien vu que c'était une via F1, mais j'ai pas compris pourquoi je faisais ça d'un coup, quoi. Les séances d'essai sont indispensables pour le développement de la voiture. Alors comment on fait du coup pour changer la difficulté, là ? Choisir de simuler la séance. Ce sera moins efficace que si c'était toi qui étais au volant, mais il vaut mieux ça que de passer à côté de la séance. Start ? Trop tard ? Mais comment ça, trop tard? On m'a jamais demandé de le faire. C'était pendant le chargement, mais c'est trop mal branlé. Et je peux pas enlever des aides au moins, peut-être pour... Pas pendant un chargement, quand il y aura un autre chargement, je pourrais le faire. Ok. Vas-y, on fait une petite séance d'essai. En vrai, je pense qu'il faut pas que il faut pas trop que j'augmente la difficulté. Je pense qu'il faut mieux que je enlève mes aides. Comme ça, je vais être moins fort. Une nouvelle journée de F1 débute sur le circuit international de Bahreïn. Et nous arrivons pile au bon moment, car la séance d'essai va bientôt commencer. Et par contre... Alors les aides. Aides. Alors, assistance au freinage, on enlève. Qu'est-ce qu'on doit enlever en premier pour, entre guillemets, progresser? Antipatinage. Trajectoire idéale dynamique. Ouais, ça en OSF pour l'instant, on garde. Donc ça, j'enlève totalement. La boîte de vitesse, pour l'instant, je la laisse auto. Assistance au stand et tout ça, OSEF. Antipatinage, médium. Ouais, il est médium, là. Et anti-blocage des roues. Déjà, on essaie comme ça, parce que déjà, là, ça va être difficile, hein, je pense. Là, j'ai enlevé deux trucs. Trajectoire que dans les virages. Non, la trajectoire... Pour l'instant, après... Quand Yann et tout il joue avec l'embrayage ou il joue juste en automatique, enfin il joue en pour ce qui est des vitesses, il joue en vitesse manuelle plus embrayage. C'est un enfer l'embrayage. C'est un embrayage de la main ou en... Tu dois réaliser plusieurs programmes manuel sans embrayage. Okay. Bon, on va tenter, ça se trouve je vais sortir dès le début. Hein. Y'a pas d'embrayage? Bah je sais pas, y a dans le menu y'a embrayage. Ah, mais Abu Dhabi c'est dans le désert en fait.
paraît logique, mais... Par contre, j'ai pas sélectionné de profil ou autre. Oh la merde! Oh, oh, what the fuck! Ah oui, c'est pas un virage, ça, c'est plus qu'un virage. C'est une épingle, quoi. Merde, merde. Waouh, ouais, d'accord! Ça, c'est l'anti-patinage, je suppose. Yes, ouais, j'ai. Ouais, en effet, j'ai pas bien patiné, ouais. Merde, j'ai freiné trop tôt. En fait, le problème, c'est qu'avec la manette, c'est trop dur d'enlever le truc qui t'enlève. Enfin, ouais, le problème, c'est qu'avec la manette, il faut savoir que vraiment, ma manette, entre faire ça, ou ça, ou ça, c'est trop dur de régler, tu vois. Accélère pas d'un coup, ouais, mais c'est dur. Avec une manette, c'est dur. Avec une pédale, ça va, mais avec une manette, c'est complexe, sachant que je joue jamais à la manette en plus de base, donc je suis pas habitué. Alors, être doux sur la manette, pour moi, la manette, c'est bouton on, bouton off, quoi, hein. J'ai hâte d'avoir le volant, là, quand même. Putain, on voit rien. Il y a trop de soleil dans mes yeux. Merde, 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 j'ai pas fait assez. C'est un peu la galère, hein. Après, je connais pas non plus du tout le circuit, donc j'essaye même de repérer. Le volant ne va te servir à rien du tout, comment ça. Mais de quoi tu parles? Je parle pas du volant, là, je parlais des pédales. Rien à voir. Je vais pas jouer avec les pédales et avec le joystick. Enfin, quand je dis le volant, c'est d'avoir le total. Hein. C'est exprès d'être con. Hein. Mais il est pas très. Ah non, je crois que c'était la fin. Je suis quand même le meilleur tour. Bien joué, tu es première et tu viens de signer le meilleur temps de la séance. Bon, après, c'est parce que tout le monde n'a pas encore fait le parcours. Ouais, je pense que je prends très très mal ce virage. Ah, mais il y a des mecs, du coup, on essaie, hein, oui. Des mecs devant. Pas freiné assez, là. Oh putain, oh putain, oh putain, putain. Je suis parti, mon cul est parti, là. Putain, merde, j'avais oublié qu'en fait c'était un... Je connais pas encore les virages, du coup j'avais oublié que c'était un double virage. J'étais en mode, mais pourquoi on freine autant alors qu'il y a qu'un petit virage de merde. En fait non, c'est un... Je crois que c'est un petit virage de merde. Ouais, j'ai encore freiné beaucoup trop tard. Hein. C'est pas grave. Mais c'est vraiment un truc fourbe, en fait. Le problème, c'est que normalement, quand tu freines, tu t'es pas censé tourner, mais là, tu dois freiner dans un virage, donc c'est un peu complexe. Putain, les virages qui montent, gros, tu vois rien, c'est un cauchemar. Touche-moi les vibreurs. Non mais les gars, théoriquement, ça sert à rien de me dire touche-moi les vibreurs, il faut juste que je suive la ligne, hein. Ça, c'est vraiment les conseils qui servent à rien, genre. Cours plus vite, va plus vite, tu vas gagner. Oui, bah merci. Si je touche les vibreurs, tu doutes bien que je fais pas exprès. Enfin, c'est vraiment les pires remarques. Tu doutes bien que je fais pas exprès de toucher les vibreurs et de partir en tête à queue. Enfin, ça paraît logique. Verstappen, je te mange. Si tu vas sur l'autoroute, t'es mort.
J'ai plus de puissance. Il m'a bien aidé là. Là, je vais pas vous mentir que Verstappen, il m'a bien aidé quoi. On essaie de rattraper comme on peut, hein, mais. J'aurais pu faire un flashback, mais... J'ai pas envie, de rentrer dedans, donc j'ai pris plus que deux raisons, mais c'est pas trop grave. Je vais essayer de le doubler en propre, lui. Ah, mort. Je pense pas qu'il allait freiner aussi vite. Bonne ex-course. Bah après, c'était... Je vais faire la qualif là, mais deux secondes. Est-ce que je peux passer par l'intérieur là ? Oh, il me... Voilà, bah là, là, monsieur, vous me poussez ! Monsieur, vous êtes en train de me pousser. Comment on fait pour regarder derrière ? Parce que là, bon... Les rétros, ouais, mais les rétros, j'avoue que je préfère avoir la vue qu'ils me mettent derrière quoi. Parce que les rétros, c'est devenu, mais ils sont petits quoi. Déjà que j'arrive pas à me concentrer sur la route, alors si je dois regarder dans les rétros, frère. Joystick droit. Ah oui. Ah oui, mais c'est pas pratique du tout le joystick droit. Merde, j'ai oublié que c'était ce virage. Bon, retournez au garage. C'est pas RP, mais j'en ai rien à foutre. info session, on passe du coup, on fait la suite. Essayons de faire. Allez, go, la séance touche à sa fin, voyons qui sont les trois pilotes les mieux. Calif, on fait la course et puis après on ira sur GeoGuessr pour checker aussi, tester, parce que je devais découvrir aussi GeoGuessr. Après c'est marrant hein, mais putain, je pense que c'est, avec le volant c'est quand même deux fois mieux quoi. Enfin, c'est deux fois plus marrant quoi. Pas mieux dans le sens où je vais être meilleur, hein, dans le sens où ça va être plus drôle quoi. Plus de ce jeu, on se plaint tout le temps, j'ai rien à foutre. C'est mort, rien à foutre. Merde, du coup j'ai oublié de changer la... Après j'ai pas changé la difficulté, mais j'ai changé les aides, donc techniquement ça va quand même être plus dur pour moi. Les qualifications du Grand Prix de Bahreïn. Allez hop, qualification, c'est parti, je prends la piste. Ah mais Bahreïn, ça se fait la nuit. Ah oui. La course est de nuit aussi. Par contre j'ai qu'un tour là, à chaque fois c'est trop chiant ça. Tom, il met déjà une seconde. Quoi. Je prends tous les vibrants de la map.
beau tour, bien joué. Ouais, je suis pas en position. Après, il y a un virage où il a fait n'importe quoi, Hamilton, là. Les qualifications viennent de se terminer. Revoyons qui sont les trois premiers. Gagnons Hamilton. Gagnons Sébastien Vettel. Et voilà qui met fin aux qualifications. Mais ne vous inquiétez pas. C'est vrai que moi je m'appelle Gagnon. Dès demain le... pour vivre ce grand prix. Par contre, mon pote, il est où là? Ah oui, il est vraiment nul à chier quoi. Par contre, Ricciardo, je sais pas ce qu'il a branlé avec sa voiture là, mais. Gagnons. Bon, les pings, faut freiner grave tôt. Ouais, bah, je me doute, hein, mais bon. Bon, allez, on fait la course et puis après. La course va être longue. Hein. Belle performance aujourd'hui. Je vais pas garder Gasly parce que je me suis gouré. Je peux vous poser quelques questions? Je me suis trop gouré. Êtes-vous satisfait de votre position sur la grille pour demain? Vous n'avez pas passé beaucoup de temps durant les essais. Est-ce que vous cherchez à préserver la voiture en vue de l'épreuve principale? Bien, ce sera tout. En 25%, je crois, ouais. Je pars premier, je reste premier. Non, en vrai, je préférerais me faire doubler. De toute façon, je vais me faire forcément doubler au départ parce que je comprends pas le départ. Je me fais tout le temps doubler. Je préfère essayer de doubler des gens que de faire la course en tête, entre guillemets. C'est pas très intéressant. C'est plus drôle de. C'est plus drôle quand même de doubler les mecs, hein, je pense, dans le jeu. C'est du 50cc. Non, je suis en 200cc inverse là. Fais B quand elle te trash talk. 12 000 tours au départ. Comment ça, 12 000 tours? Accélère pas. Ah, ok. On m'avait dit aller à fond. Mais ok, d'accord. Il faut pas. Il faut que j'aille moins. Faut pas que j'aille trop à fond, sinon ça dérape bon, quoi. Je crois qu'on peut parler de qualification. Et c'est le miroir. Hein. On s'est donné les meilleures chances pour la course. Vas-y, on lance. J'aimerais bien voir si je simule avec Toro Rosso mais que j'ai une pole, combien j'arrive. 12 000 tours. Putain, mais 12 000 tours, ça me paraît tellement énorme. C'est une Formule 1. Hein. Il y a quelque chose de spécial dans l'air de... Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition. Alors 12 000 tours, je vais essayer. De la course du jour. Gagnons par en pole. Gagnons par en pole position. Gagnons. C'est moi, gagnons. Pense à protéger. Merde, j'ai oublié d'accélérer du coup. Attends. J'étais... Désolé, je recommence ça. J'étais tellement... Je voulais tellement être à 10 que quand c'est parti, je suis resté à 10. Je suis quoi? Le con. Ah merde, mais du coup, on peut... Oh. Ah oui, non, je peux pas refaire. Bon, allez, bah tant pis. Je peux pas refaire, je me fais doubler par tout le monde. Allez, allons-y. Oh merde, merde. Oh ouais, ouais, là. Ouais, non, bref, c'est dur le départ. Ah, j'ai ruiné. Attends, mais je peux recommencer la course. En vrai, je peux faire recommencer, non? Quitter le mode photo, oui, quitter le mode... Mais c'est quoi cette merde? Recommencer, oui. Désolé, j'ai... Parce que il a raté le départ, me faire doubler un petit peu, mais peut-être pas par toute la map, pardon. Oh, j'ai raté, bon, c'est pas grave. Là oui, j'ai bien coupé. Hein. Je te laisse passer, j'ai triché. Le jeu est sympa avec moi. Hein. Putain, par contre, c'est trop dur parce que tu vois rien en fait quand il y a le mec devant. Je en fait, je sais pas si c'est moi qui freine trop tard ou si c'est les bots qui freinent trop tôt, mais à chaque fois qu'il y a un virage dans ce sens-là où il faut freiner sa mère, je tape le mec quoi. C'est pas bon. Après, est-ce que je peux pas prendre l'intérieur là et vraiment retarder mon freinage? Ah non, je peux pas. Oh non, je me suis fait toucher!
Attends, on peut pas voir ce qui se passe. J'aimerais bien voir le ralenti là. On peut pas voir en dehors de ma voiture. Je me suis fait toucher là. Pour moi qui. Ou alors j'ai paniqué à ce point là. Non, je me suis pas fait toucher. C'est le vibreur. J'ai tellement eu l'impression que je me suis fait toucher. Et j'ai touché le vibreur et ça m'a dégagé à ce point là. Ok. On va pas le doubler du coup. Oh la merde, je suis le gravier. J'ai essayé de. C'est dur. Hein. Là, dans la ligne droite, il va me manger. Après, je pense que je peux le doubler dans ce virage. Hein. Merde. Putain, je suis désolé, mais je pensais qu'il allait rester à l'extérieur, bien à l'extérieur, et pas du tout quoi. Je pensais qu'il allait rester bien à l'extérieur, mais en fait, non, j'allais plus à l'intérieur encore. J'essaie de doubler, mais là je peux pas quoi. Compliqué. J'étais trop loin de lui, je pense. De faire des trajectoires qui sont pas les bonnes pour essayer de peut-être en reprise de virage de le doubler, mais. Ouais, c'est. Je suis pas sûr que ce soit très légal ce que j'ai fait. C'est legit. Après il y a les arrêts au stand et tout aussi. J'essaie d'accélérer doucement pour pas patiner, mais je prends encore le réflexe. Drapeau vert. Quelques infos à propos d'Albon. Ils abandonnent la course. Oh, mais je les mets au pilori là les bouffes. J'ai juste envie d'aller faire du karting. Meilleur tour, le fast. Tu creuses l'écart de quelques secondes par tour avec la voiture de derrière, ne lâche rien. Merde. Là j'ai fait trop le malin. Aïe merde, attention à pas trop accélérer. Ah ouais, là en fait quand tu pars vraiment de zéro et que t'accélères, là tu patines sa mère, enfin tu pars en tête à queue en spin, c'est ça je crois le terme. J'ai appris ça tout à l'heure sur le live de Yann, ouais, le spin, ouais, je pars en spin, ouais, les gars. Je freine trop, puis après je réaccélère trop, enfin, c'est de la merde. Mets ta caméra au milieu, comment ça? Ah, ma caméra à moi. Et alors, attendez les gars. Je vous ai dit, là c'est vraiment le live découverte. On rejouera sérieusement quand on aura récupéré le volant. Normalement on le récupère avant la fin de la semaine. Hein. Grâce à Thrustmaster, qui est mon trust pour le coup, MDR. Même si c'est avec le coup pareil. Oh là, je suis nimpe. Heureusement que j'ai un peu d'avance. Et lequel de volant je crois que j'ai le même que Squeezie. En fait j'ai rien pris, j'aurais dit je vous fais confiance, vous êtes les boss, vous êtes les experts. Oh merde. Vous êtes les experts et moi j'y connais rien, donc j'aurais dit je vais surtout jouer au jeu de F1. Donc je vous fais conf. Donc, je crois que. Mais c'est du bon truc hein. C'est du bon matos les gars, hein. C'est pas de la merde. Hein.
attends, pas un volant 700 balles. C'est le volant coûte 150, je crois. Le total coûte... Oh merde. Bon, vous savez quoi ? J'ai abîmé l'aileron, mais je la joue. Je la joue. J'avais plein d'avance. Je peux me permettre de la jouer, entre guillemets. Ça, on n'utilise pas trop le retour, le sable du temps. Sable du temps, c'est vraiment ça nique ma game, quoi. Mais là, j'étais en train de répondre au chat, je me sentais chaud, mais... T'as sensé mon volant, mais je suis avec une manette là, gros. Trois fois quand même que je freine beaucoup trop tard ici. Hein. Bah, ça se voit quand même que je joue pas au volant là, non? Ou alors j'ai le volant qui est en dessous de ma table, quoi, mais. Là, c'est le pire en fait. Ah, j'essaie de le prendre le plus vite possible, mais du coup, c'était trop rapide, quoi. Comment ça, avertissement? J'ai pas le droit de sortir de la route, même si ça m'avantage pas? Enfin, j'ai pas le droit. J'ai accéléré trop fort. Nope. Oh oui. Ça rigole pas, putain. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. C'est trop bizarre, parce que là, j'ai... Je suis, entre guillemets... Je suis mieux que le Grand Prix d'avant alors que j'ai moins d'aide. Oh merde, j'ai coupé là. Non ? C'est vrai que j'avais coupé quand même. Là, j'ai réussi à passer devant direct. Enfin, direct en un tour ou deux. J'ai moins les aides et pourtant, je suis bien mieux, quoi. Après, c'est vraiment... C'est normal, tu vas plus vite sans aide. Ah ouais ? Comment ça, je vais plus vite ? L'aide au freinage. Non, l'aide au freinage, je l'avais enlevé, je crois, déjà, dès le début. Non ? Merde. Putain. Je vais trop vite, ça me brain, ce virage, il me brain. Et c'est mieux que j'aille au stand direct pour, entre guillemets, vite... chausser des pneus et les chauffer, ou c'est mieux de les faire à la fin, ou ça dépend totalement de la stratégie, machin. Rentre. Donc là je rentre là. Putain, je sais pas où il faut rentrer. Donc là je rentre là. Box, rentre. Ok, je vais avoir de nouveau des mecs à doubler, ça va être bien ça. Fonce. Rentre, fonce. Rentre pas, bah non, mais j'avais... Enfin, je pensais pas que ça faisait ça, mais... Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Oh merde, je pensais pas arriver aussi vite, je pensais pas qu'il allait freiner autant, my bad. On a
3 tours d'avance sur nos prévisions. Il va falloir brûler du carburant. Bah, j'aimerais bien, mais comment je fais pour brûler du carburant, moi? Tu me dis ça comme si t'étais un expert de F1, gros. Je suis pilote depuis 2 jours. Depuis 2 heures. Bon, par contre, lui, il est à chier, Perez, là. Désolé, gros, Force India, là, mais... C'est Racing Point, en plus. Force India, c'était... B plus flèche. Quelle flèche? Le B plus flèche, il y a beaucoup de flèches dans le jeu. La pupeur B, tu mets en mode consommation riche. Joli, à le voir, on croirait presque que c'est facile. Bah c'est facile en fait. J'ai pas appuyé sur B là, je crois. B, voilà, 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 attends, mais il y a un menu, je suis en pleine game, gros, tu crois que j'ai que ça à foutre? Je suis en plein virage, gros. Il y a un menu qui s'affiche et tout. Ils ont cru que j'étais multitask. Vas-y, je comprends rien. 2 standards, 3 riches. Ouais, ouais. Vas-y, B. Ah, enlève-moi ça. Enlève-moi ce menu. Mais je suis pas au McDo là. Pas besoin de menu là. Dégage. C'est bon là. C'est ce que j'ai fait ou ce que j'ai fait, c'était good ou pas? C'est bon. Ok. Et du coup, ça va me faire aller plus vite d'utiliser du carburant ou ça n'a absolument rien à voir? Notre avance sur la voiture de derrière est de 3,9 secondes. Daniel rentre au stand. En ligne droite, ouais, ok. Je suis deuxième, il me reste plus que Weber à passer. Repasser. C'est lui juste devant ou c'est un autre? Non, c'est lui. Après, il est pas allé au stand, je crois, encore, Weber. Mais... Oh, ça, par contre, ce virage, c'est vraiment... C'est pas mon virage. Hein. Allez, on se concentre. Il reste encore 6 tours. Mais il est allé au stand de toute façon. Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour. Je viens de faire le meilleur tour là. Ok, mais nice. Le meilleur tour, ça donne un point bonus ou s'il n'y a pas la règle activée? Ou la règle n'a jamais existé? Parce que j'ai cru lire ça quelque part, mais... Oui, ok, nice. Après, j'avoue, là, j'ai l'impression d'être chaud, mais en fait, je suis éclaté. Hein. Ça fait trop genre, je suis chaud, enfin, je suis chaud. Dis là, c'est mon deuxième Grand Prix, je suis premier, tout ça. Mais bon, j'ai utilisé le flashback 1000 fois, et je suis éclaté, quoi. Mais bon. Oh non, bon alors là. Ah bah ouais, là, ouais. Tu as pris trop de liberté avec les limites du circuit. On a reçu une pénalité de 3 secondes. 3 secondes, il faut que je finisse 3 secondes devant, du coup. Allez. My bad, mais là, c'était mérité. J'ai tenté un nouveau truc dans ce virage que je n'arrive pas à dompter et là, j'ai un peu trop abusé. Là. Bon, ça, je peux partir. Ah non, c'était pas là. Ah, désolé, hein, je peux pas trop lire le chat quand je suis en pleine course, j'avoue. Mais après là, c'est la dernière course que je vais faire ce soir. Et après on pourra discuter un peu. Et comment d'avance sur Hamilton, ils me disent pas? Oui, il faut que j'ai 3 secondes. Hein. J'ai encore oublié de freiner, j'étais en train de regarder autre chose. Ils me disent pas quoi. Merde, j'essaie de regarder partout les HUD là, mais du coup c'est pas bon parce que je regarde plus la route. 14 secondes. Ah oui, ça va, je suis large.
pense pas qu'il y ait 14 secondes, ça me paraît énorme. Allez. Est-ce qu'on va essayer de est-ce qu'on va réussir ce virage ou pas? Là, j'ai trop freiné là. Hein, je crois que j'ai trop freiné. Putain, ma manette elle vibre de ouf. On le laisse tomber en panne d'essence. Merde, quoi? Mais ils vont me le dire, non? Si j'y manque d'essence. Faut que je fasse quoi là? Attends, j'ai attendu une ligne droite pour faire le menu là. Je suis tombé en panne d'essence là? C'est B. Standard, je remets. J'ai remis standard. Il suffit standard ou il faut que je mette. C'était bon. Bon, pas grave. C'est large. De toute façon, le jeu, il me dit, enfin, les mecs, ils ont... Leur travail, c'est de regarder les compteurs. Donc je suppose que s'il me manque du carburant, ils me disent, attention, le carburant, mes couilles. Je suppose. Merci pour les abonnements, désolé, hein, je... En plus, avec le moteur, en vrai, c'est bizarre de dire ça, genre, en mode... Avec le moteur de la voiture, les gars, je vous entends mal. Reste combien de tours? 3, ok. Je trouve que ça va. Après l'anti-patinage il est pas désactivé hein. Je crois qu'il est activé en moyen donc si j'étais en mode ça va, je trouve que je patine pas trop enfin, je fais pas de tête à queue trop grave en tout cas, mais je pense que il y a encore l'aide, elle est encore beau, bien enfin, elle est bien là quoi, bien présente. Après je sais pas si vous, enfin après je sais pas si un expert genre du jeu peut genre savoir juste en me regardant et ce que je fais mal, tu vois. Je pense que oui, mais parce que c'est quand même assez difficile de... Merde, putain, je croyais que c'était l'épingle du début. Putain, je suis pas concentré là. J'ai freiné comme une merde. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Ouais, ça va, j'ai le temps. Il me reste plus de 2 tours, franchement. 3 tours. Là, par contre j'ai mal aux mains, mes mains sont crispées gros sur la manette. Genre, j'ai l'impression de faire un match de Mario Tennis mais qui dure 40 minutes quoi donc. Voici l'écart avec notre coéquipier, 48,7 secondes. Non mais gros. Il va bientôt falloir un calendrier pour chronométrer mon coéquipier quoi. Genre tellement il est à chier. Alors ton coéquipier est parti le mardi, arrivé le vendredi. Genre... Je peux vraiment pas regarder le chat hein, dans ce genre de truc. Enfin, sauf bon, en ligne droite quoi, mais... Par contre, j'ai vu que Yann et Bouzeux, ils gardaient la trajectoire quand même dans les virages. Genre... Ils enlevaient, enfin la trajectoire, le truc là, la direction, enfin le, vous avez compris quoi, le machin là, qui fait le vert, le jaune et tout. Là, l'accélérateur avant la flèche rouge, quelle flèche rouge? C'est le meilleur tour en course, continue comme ça. Je comprends pas de quelle... Oh, le vibreur là, je l'ai plus, je l'ai mangé. Ça aide beaucoup, ouais, en fait c'est... Je pense que c'est l'aide la plus forte, c'est celle-là. C'est celle qui te donne le moment où tu dois freiner, quoi. Parce que là,
ça t'aide tellement. Tu sais si t'as la bonne vitesse, si tu peux aller tourner. C'est vraiment ça, c'est l'aide la plus fumée, quoi. On est bien d'accord, mais après c'est aussi la plus dure à enlever. Oula, j'ai pas fini. Attention. Après, les trajectoires théoriques, je les connais à peu près, quoi. Enfin, je fais le mec quand je dis j'ai fait du karting et tout, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, pas non plus très compliqué de dire extérieur, intérieur, extérieur, ce genre de trajectoire entre guillemets. Bon, après, il y a des virages qui sont un peu putes. Et le problème, c'est surtout quand est-ce qu'il faut freiner, parce que c'est bien d'avoir la trajectoire, mais si t'es pas à la bonne vitesse, tu peux baiser ta mère, quoi. Donc, bon. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. Et genre dans les compètes, on est d'accord que dans les vraies compètes de F1 Racing, enfin de Simu, je parle, on est d'accord que les mecs ils ont aucune aide. Oh, 1.35. Merci à toi, Pala Ono, pour l'année de sub. Et genre là, la compète qu'ils vont faire avec Tony Parker et tout, ils ont droit aux aides, ils ont droit à quoi? Ça me donne juste envie d'aller faire du karting, mais genre vraiment, quoi. Vraiment. Après, avec le volant, ça y aura déjà plus les sensas, mais... Le karting, c'est tellement le meilleur truc. Ouais, je patine. J'ai pas fait de la carte en compétition, non, c'est du troll, ça. Ça, c'est le boost de qui a dit ça, mais c'est du pur troll. J'avais pas d'argent pour faire du karting en compétition, gros. Enfin, mes parents, c'est pas moi qui payais à l'époque. Non, j'aime bien le kart et j'en ai fait un peu, pas mal, quoi. J'aimais bien ça, mon frère était passionné de... Il est toujours passionné d'ailleurs de caisse et tout. Du coup, lui, il a travaillé dans un karting. Il a fait ses études là-dedans. Il a fait des études là-dedans, il me battait d'ailleurs à Dijon-Trenois, il me baisait sur le dernier virage, là, ça me dégoûte. Attends, quand la map elle est en violet, c'est-à-dire que j'ai bien joué, ou enfin entre guillemets, ou ça n'a rien à voir. C'est fini là? Oui, ok, nice. Ah, ça veut dire meilleur temps, meilleur spectacle. Première course remportée, bravo. Deuxième Grand Prix, je monte sur la plus haute marche. Salut, on apparemment, il y a une école, je crois, où en cours de PS, tu peux faire du karting. Il y avait un lycée où Nicolas tu peux faire Martin, ça. Qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence? Alan Prost. Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Non, j'ai jamais roulé sur le circuit des gens pour voir que sur le circuit de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Ah, ça va être énorme, j'avoue. Putain. Alors que nous attendons de voir les vainqueurs s'installer sur le podium, hey, Alan Prost. Une chose est sûre, Toro Rosso a vraiment réalisé des prouesses aujourd'hui. C'est une équipe qui n'a pas peur de prendre. Non, j'ai jamais compris que sur le podium, il y a le pilote et aussi, c'est qui le mec à côté? C'est le directeur de l'écurie? Le mec de chez Toro Rosso qui est à côté là. Il y a la coupe. Il a pas l'air content d'ailleurs. Alors qu'on a gagné. C'est l'écurie vainqueur de. C'est l'écurie vainqueur du Grand Prix, donc ça veut dire que mes points plus les points de mon coéquipier? Ou c'est juste, juste en fonction de moi. Des pilotes. L'avantage du pilote leader au championnat vient de se réduire après cette course particulièrement difficile. Nous avions une belle brochette de talents en piste aujourd'hui, Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? On ne peut rien reprocher à Sergio Pérez aujourd'hui. Il a fait preuve d'un pilotage sans faille. Le choix était facile pour moi. J'ai mis 4 secondes au meilleur tour, le bouffon, et je suis osé dire ça. Cède du terrain à leur concurrent. C'est une belle opération de la part de Racing Point ce week-end qui réussit à bousculer la hiérarchie. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Soyez au rendez-vous pour suivre. Je suis qu'à 5 points de Hamilton. Et classement constructeur, on est 3ème. Enfin, mon coéquipier qui pue ses morts, qui rapporte 0 points. Ça me dégoûte. Alfa Romeo Racing, ça remplace quelle écurie? C'est une écurie qui est assez jeune, non? J'avais pas l'impression de les avoir vus. Ah, c'est Sauber, ouais. Ok. C'est pas le sport le plus élitiste du monde, F1. Si, je pense. Largement.
Visionner les temps forts, j'aimerais bien voir ça. Regardez mon départ. Je me fais doubler par toute la map. Aller chez As et en coéquipier j'ai Grosjean, je te laisse imaginer. Putain, Grosjean il était trop fort avec Lotus et là il pue ses morts maintenant. Enfin il pue ses morts après, il a pas la bonne voiture aussi. Quitter le mode de jeu, bah oui. Je voulais faire la conférence de presse quand même avant. Bah tant pis, je la ferai la prochaine fois. Hard pay to win la F1. En fait, le truc, c'est que pour faire de la F1, il faut avoir fait du karting quand t'étais petit. Et le karting, c'est un des sports, si ce n'est le sport le plus cher. Quand t'es petit, je veux dire. Quand t'es petit, tu vas pas aller. Enfin, tu peux aller faire du golf, mais tu vois ce que je veux dire. Après, l'équitation. Ouais, non, je pense que le kart, c'est plus cher que l'équitation. Et après, soit à haut level, soit t'es parmi les meilleurs. Donc, du coup, t'as déjà fait beaucoup de karting et de trucs qui coûtent déjà cher. Soit t'es le fils du mec qui a l'écurie, quoi. Mais dans ce cas-là, bon, t'es riche, quoi. Motocross, ah ouais, motocross c'est cher. Pourtant une moto c'est pas si cher que ça par rapport à un kart. En vrai ça va, hein, c'est quand même cher. Hein. Qu'en vrai un karting ça coûte pas si cher. Genre je me souviens que quand j'allais au karting, il y avait des kartings à vendre à 1000-1200 balles quoi. C'est pas si cher que ça si tu en fais toutes les semaines, tu vois. Ultra cher pour être compétitif, ouais. Après, c'est le problème des sports auto, c'est qu'en fait, c'est la bécane qui compte, quoi. Genre, au badminton, si t'es le meilleur, bon, t'achètes une raquette, ça va te coûter 500 balles, peut-être la meilleure raquette de badminton, mais c'est pas ta raquette qui va te faire gagner, quoi. Alors qu'en Formule 1, bon, bah, clairement, les pilotes, je pense que les pilotes de Formule 1, ils sont à peu près tous très forts, quoi. C'est-à-dire que c'est plus... Enfin, c'est la combinaison des deux, mais ce que je veux dire, c'est que si tu mets le meilleur pilote du monde sur une Williams, il va quand même être dernier, quoi. Enfin, il va pas être dernier, mais... Peut-être pas dernier, mais il va être dans les choux. Alors que si tu mets un pilote moyen sur une Mercedes, il va être dans les trois premiers, quoi. Enfin, normalement. Parce que c'est quand même censé être les 20 meilleurs pilotes de monoplace, quoi. Censé, on va dire. Au moins sur les 20, il y en a au moins 15, c'est censé être les 15 meilleurs, quoi. Après, il y a des mecs qui sont très forts aussi, qui sont pas là, mais il y a que 20 places, donc bon. Carte 4 pneus par course en pro. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, je te parlais... oui, non, mais forcément, si tu parles du karting pour devenir après pilote et tout, oui, il faut que tu t'en fasses tout le temps, ça te coûte ultra cher. Mais je te parle, même là, comme sport en mode loisir, imaginons quelqu'un qui est inscrit à un club d'équitation, qui va faire de l'équitation une fois par semaine, je pense que ça va leur revenir moins cher, sauf s'il achète un cheval, que d'aller faire du karting... d'aller faire 30 minutes, 30-40 minutes par semaine, quoi. Enfin, ça dépend des kartings, mais genre 10 minutes de kart, c'est souvent dans les 15-20 euros, quoi. Hein. 10 minutes, donc peut-être un peu moins cher, peut-être un peu plus cher. En plus, je pense que ça a augmenté les prix, mais... Mais ouais, j'avoue que moi quand j'étais petit, j'avais pas. Enfin, mes parents ils avaient pas d'argent pour que je fasse du karting. Hein. Enfin, je faisais du karting grâce au stage, les vacances pour ceux qui restent à Dijon où ça coûtait 50 balles la semaine et là c'était régalade, tu vois. Mais j'avoue que là, avant qu'il y ait le confinement, avant que je me pète le pied, j'étais en train de regarder si je pouvais pas m'inscrire. En gros, on devait s'inscrire au badminton avec Nameless et j'étais en mode j'aimerais bien m'inscrire à un club de kart. Enfin, pas un club, mais un. En gros, il y a un circuit de karting, et si tu t'inscris et tout, je pense que t'as des prix et tu peux y aller, genre j'y vais une fois par semaine, tu vois. Genre... T'as pu payer ta carrière de pilote avec ton talent de violoniste, bah putain. Je pense que si je devais avoir un sport qui était en concordance avec mon skill de violon, je pense que j'aurais fait de la course et sans chaussures, quoi. J'ai fait de la course avec des chaussures, mais voilà. Un circuit de kart à Osny.
Après, le problème, c'est ça. C'est que moi, j'habite à Paname. Et forcément, les circuits, les kartings sont pas en plein Paris. Hein, parce que tu t'imagines bien que ça serait 1000 euros la séance. Et le problème, c'est que quand t'habites à la campagne, entre guillemets, enfin, là où j'habitais, bah oui, le circuit de karting, il est loin. Mais bon, tout le monde a une caisse. Moi, j'ai pas de caisse ici à Paname, quoi. J'ai pas non plus envie d'acheter un scooter juste pour pouvoir aller au circuit de karting, quoi. Faudrait que je trouve un mec qui est trop chaud pour en faire et qui ait une voiture. Enfin, un Zulu, tu vois. Mais. La Vissou, il est pas mal. Ouais, mais Vissou, c'est à l'autre bout de la map. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que moi, par rapport pour aller à Vissou, ça va me prendre une heure pour y aller, voire plus. Donc, il vaut mieux que je fasse un truc à l'ouest de Paris, parce que j'habite à Levallois. Le RKC, ça coûte cher, je sais pas ce que c'est. Tu vas pas jouer. Bah là, je viens de finir. Là, on vient de finir la session. On va passer sur GeoGuessr, parce que j'avais envie de faire une petite soirée, comme son nom l'indique. Une petite soirée découverte. Donc là, on a découvert F1. Honnêtement, j'aime bien le jeu, hein, mais j'avoue qu'il faut être concentré. Et là, j'ai encore presque toutes les aides et je suis en mode. Déjà, c'est chaud, tu vois, entre guillemets. Mais. Et on va voir, hein. Faut un volant, un pédalier. Ouais, bah ça arrive, ça. Ça arrive, attendez, si vous voulez, je peux vous montrer ce qu'on va m'envoyer. Normalement, c'est de la bonne cam. Merde, putain, j'ai ruine. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Le boss. Tac. Tac. Alors, la base, c'est ça. Vous voyez, là, ou pas ? Je crois que vous voyez. La base, c'est ça, le TX Racing Wheel. La base, c'est ce qui coûte le plus cher. Je savais même pas, je pensais que le volant, c'était un seul truc, mais en fait, non, j'y connais rien. Okay. Voilà. Ensuite, le volant, je crois que c'est le même que Lucas. En tout cas, je sais que j'ai vu qu'il avait le même casque, entre guillemets, parce qu'il y a un casque Ferrari avec. Le volant, c'est ça. C'est Scuderia Ferrari. Voilà. Et le pédalier, apparemment c'est le même que Yann, donc je pense que c'est bien. De toute façon, je pense que c'est bien. Hein. Je pense que clairement. Et du coup, c'est ça. C'est le T3PA Pro Add-on. Donc voilà quoi. T'as pas rigolé. Ah bah, on me l'a offert, hein. On me l'a offert, hein. Ces Thrustmasters, ils sont sympas, hein. J'aurais dit. En fait, de base, moi, de base, j'ai contacté le mec. Je lui ai dit, je connais rien. Est-ce que t'as un truc à me conseiller? Et bon, c'est un petite promo, ça me va. Tu vois, il m'a dit, ah, non, mais on t'envoie. Je fais, bah ok, bah frère, merci gros. donc voilà, c'est que F1. En fait, le truc, c'est qu'avec ça, bah normalement, on est d'accord qu'en F1, de toute façon, tu utilises que deux pédales. Mais par exemple, si un jour je veux faire un jeu de rallye, bah je peux utiliser les trois pédales. Je peux utiliser la base et au pire, je peux prendre un autre volant. Mais même le volant de base, même le volant de F1, tu peux l'utiliser pour un autre jeu, tu vois. Genre. Bon, tout le temps, oui. Pour l'instant, j'ai pas encore reçu, mais ouais. Il y a une boîte de vitesse nécessaire en rallye. Oui, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux réutiliser la base et le pédalier, tu vois ce que je veux dire. Sauf que le pédalier, c'est comme 180 balles. Hein. Ne rigole pas, hein. Ça revient à combien le tout? Bah écoute, ça fait 200 plus 200 plus 300 quoi. Ça fait, ça fait 650 euros quand même. Hein, donc 150 euros de matos, putain, j'avoue, c'est très vite cher. Hein. Après, bon, c'est pour une expérience optimale, tu vois. Ça régale. Bon, après, j'ai toujours pas de carte graphique hein, pour faire tourner le jeu, mais ça arrive. Après, mon PC, là, c'est un peu la galère. Il y a beaucoup, beaucoup de pièces qui manquent en ce moment dans les... Ben dans les boutiques. 650 euros pour jouer à un jeu comme ça. Non mais après là c'est du matos quand même haut de gamme. Hein. Faut pas se mentir. Genre il y a des volants et des trucs, il y a des kits base plus volant plus pédalier, ça va coûter bien moins cher. Mais Thrustmaster c'est quand même une marque qui sont spécialisées là-dedans, donc déjà voilà. Mais tu peux trouver bon pour moins cher. Hein. Puis t'es pas obligé non plus. Enfin là je me suis bien amusé. Alors oui, je suis en mode, bah, c'est mieux avec un volant, mais je me suis quand même bien amusé avec ma manette, tu vois, donc bon. Et il y a beaucoup plus cher aussi, ouais, ça c'est sûr.
Genre, je pense qu'il y a le... Il doit avoir le, les trucs, les kits complets avec le siège baquet et tout, gros. C'est jouable au clavier. Bah ouais, c'est jouable au clavier, mais...